Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous. Nous qui voulons tout savoir sans l'endoctrinement et la manipulation et les groupes de pensée. On lutte contre les groupes de pensée. Les politiciens ont cette fâcheuse habitude qu'utilisent les gens en télémarketing de réunir un groupe cible et de leur proposer, suggérer des trucs et ces gens-là répondent à ces suggestions-là et les politiciens s'en vont avec l'idée la plus populaire. Ça, c'est les groupes de pensée. C'est comme ça qu'on est géré, chers amis. C'est vraiment quelque chose à éviter. Il faut lutter contre les groupes de pensée, les group think. Ceci étant dit, merci d'être là, vraiment. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est super, super, vraiment. J'ai des centaines, voire des milliers de messages. Je n'ai pas le temps de tous les voir dans la même journée, mais je les parcours tous. Merci infiniment. Il y en a un qui m'a été envoyé par un ami, c'est un ami personnel. Sur le cycle 25, le 25e cycle du Soleil, qui devrait être un maximum, mais qu'on prévoit être plus faible que le 24e, qui était un minimum. Et le 26e, moi je sais déjà, selon plusieurs sources, on s'attend à ce qu'il soit aussi faible que le 25e, ça nous fait déjà 11, 22, 33 ans de minimum solaire. Ça fait qu'on s'embarque dans un grand minimum solaire. C'est comme ça qu'on arrive dans un grand minimum solaire. C'est lorsque le cycle maximum du Soleil devient un cycle minimum lui aussi, parce qu'il n'y a pas d'activité solaire et très peu. Donc, c'est un article qui est vraiment très, très, très détaillé. C'est très, très long. Je ne vous le lis pas parce que vous allez tomber de sommeil. Vous allez le lire vous-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations pour ceux que ça intéresse sur le 25e cycle solaire. Donc, moi, je vous résume ça. Le Soleil a deux phases, deux cycles, un maximum, un cycle maximum, un cycle minimum. Pourquoi on est rendu au 25e cycle? C'est que lorsqu'on... Le cycle 11 ans, comme je vous dis, et lorsqu'on a découvert ce cycle-là, ben, on remonte dans le temps. C'était le premier cycle. 11 ans après, c'était le deuxième, troisième, quatrième. Là, on arrive au 25e. C'est le 25e depuis qu'on a commencé à observer les cycles du Soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle le 25e cycle, celui dans lequel on entre. C'est approximatif, mais on pense qu'on est dedans, là, ça y est. Et on le sait, les scientifiques l'ont admis, ça va être un cycle qui va être aussi faible, sinon plus que le 24e. Et le 26e s'annonce comme ça, et le 27e aussi. Donc, c'est ce qui a fait dire à plusieurs chercheurs, plusieurs scientifiques, et des Russes même qui se sont avancés, à dire on s'en va vers une période de peut-être 200 ans de refroidissement de la température de la Terre. Parce qu'évidemment, en minimum solaire, il n'y a pas d'activité, beaucoup d'activité solaire, donc on se retrouve dans un refroidissement lent et certain. Donc, ça, c'est pour ce qui est de cet article-là. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Vraiment intéressant. C'est vraiment complet, mais comme je vous dis, c'est extrêmement long. Donc, je vais vous laisser ce lien-là. Vous allez pouvoir le lire. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est extrêmement long. Je vous laisse ça, puis je vous reviens avec une nouvelle qui m'a été envoyée par les abonnés, qu'on salue, concernant une découverte incroyable d'un énorme trou noir dans notre Voie lactée. Puis il y a une autre nouvelle aussi qui est vraiment fascinante, que je veux... Deux nouvelles... En fait, il y en a trois que je vais vous partager. Un mystérieux chien loup congelé intrigue les scientifiques. Et aussi, il y avait quelque chose de magnifiquement hallucinant. Des scientifiques de Google veulent créer un trou de ver pour confirmer la théorie des cordes. Enfin, je vous reviens que tout ça, c'est... C'est un peu lourd des fois, mais c'est très, très, très intéressant. Donc, je vous reviens avec ces nouvelles-là, sans compter que, n'oubliez pas, on a eu un test d'alerte hier, ici au Québec. Moi, j'étais au gym, j'ai vu le test d'alerte passer sur les télés. On se prépare pour plusieurs événements qui, on le sait, vont venir, c'est inévitable. J'ai beaucoup, beaucoup, 21 443 astéroïdes menacent la Terre. En plus de toutes les autres menaces. Et il y a cette nouvelle-là aussi dont je vous parlerai. En Chine, des bulles de méthane gelées causées par le froid.
d'étonnantes bulles de méthane gelé sont apparues dans la ville la plus septentrionale de la Chine. Donc, je vous parlerai de ça aussi, mais je vous mets ce lien de cette, de ce vraiment ce texte formidable, mais qui est assez long et que vous allez lire vous-même. Je vous reviens avec toutes ces fameuses nouvelles dont je vous parlais il y a quelques instants.